spécialement la canne Belin. Côté, ils ont utilisé le même élément qui a fait massacre la saline. Ou sous T-shirt Balakay, Média, Pabla. Belin dit l'île en mobilisation. Belin dit l'île en départ journal. Et je dis, après exactement 3 jours, les minègues ont eu un groupe bandit corps, ils ont eu un zap, ils ont eu un moto tout neuf, ils ont eu une cartouche, ils ont eu un gilet pas mal. Et ils ont débarqué Belin. Ils ont débarqué Belin, le premier côté qu'ils ont attaqué, c'est Rue Montalet. Côté que il y a un pile cadavre, ils ont quitté là. Et deuxième côté, ils ont attaqué Rue Saint-Combe, précisément hors de l'église de Michel-Soukou. Non seulement les gens ont boulé en pile caille, ils ont boulé en pile machine. Ensuite, vous pouvez jouer la même équipe comme ça, les Belins campent faire résistance. Et bien ça, le courage tout le monde Belin, qui campent qui disent défendre son lieu. Il y a défendre la famille, il y a défendre la caillou, et il n'y a pas pourri. Et ça qui est passé la saline, il n'est pas capable de passer de l'air. Donc nous saluons le courage comme ça. Mais ensuite, on va lui jouer une même équipe de réconciliation. Grande direction Kafoubéa. Rivé Kafoubéa, plus précisément dans Riel Maya. Et puis c'est Kaye qui est dans la zone, les gars mettent du feu là-dedans. Mais c'est pas chou. Et on va lui jouer une tour de un policier qui habite dans la zone, c'est pas chou. Les gars débarquent la caille, ouvrent la caille à Pouza et mettent du feu dans la caille. Descendre dans la rue ce matin. Pour aller non la couper la rue du Réglois. Ça a été grave. On a cherché ce monde là-dedans. Les gars débarquent et mettent du feu. Et ça, tout ça, mes bons amis qui gagnent 5 petits, les diffus envahissent, la courir, libre madame, il y a deux petits mounes qui sont libre de courir soutien avec eux, les tous les mounes chercher toi l'autre, les gens qui crier en tant qu'aïe. Donc, merci Jovenel Monté, uniquement pour faire 5 ans, vous larguez notre monde. Et nous allons venir jouer encore, ça qui passe Sean Mass matin. Sous Sean Mass, équipe de PHTK, chez Méchant, à ça, Massala, ils ont débarqué, ils ont bon petit bus. Chargé malheureux avec malheureux là-dedans, ils ont mis du feu là-dedans. Mais ça va même rester là toujours. Au niveau qu'à Fouma, ils ont débarqué, conférence à Baye, l'ouvrir pour des âmes sous militants, l'ouvrir pour des âmes sous journalistes, n'était-ce pas bon depuis là. Je veux dire, par contre, combien de journalistes nous avons dit, qui ont perdu la vie. Les pays arrivés dans la phase de répression. Donc, je n'ai pas capable de quitter le pouvoir pour faire le reçu. Nous avons le sénateur Nel Kassi qui a parlé tout à l'heure du commissaire gouvernement, du directeur général douane et du journal mondial. Le commissaire gouvernement, c'est avocat société. Il est impliqué dans le grand sam, dans le contribuable. Il est impliqué dans le grand contre de lui, ou bien bandit, ou assassiné. Peuple, je dis à la communauté internationale. Lorsqu'on peut supporter le voyage, il faut dire qui est suivi. Est-ce que c'est un mi-pénalisé? L'Ocampé, beaucoup de vagabonds, qui a fait crime, qui a volé l'argent pays, qui n'a pas corruption et la trier, je dis à Fondine, est-ce qu'effectivement, c'est un mi-pénalisé? Et ça, les gars, fait là, pas fait peuple, pas fait bac, et pas fait alternative, pas fait bac, tout, n'a pas fait bac, n'a pas fait bien. Et ça fait dimanche, ça finit là, son méga bagaille, il a pris. Avec dit, après tout le monde là-dedans. A bien toute couche sociale qui est impliquée dans ce qui a fait là, et est capable de dire tant de débats là, ce n'est pas Jovenel Monté qui fait mon rentrer la caillou, ce n'est pas pouvoir créer une stratégie qui déblaye, non, c'est nous-mêmes qui connaissons la population, qui fait presque 9 semaines dans la caillou, pour que nous ayons un espace pour chercher à manger, pour chercher d'eau, pour chercher moyens, pour fonctionner. Et nous reconnaissons tout. Et mes grands pigments qui prennent balle, il faut qu'un côté pour passer, pour y aller dans l'hôpital. En parlant de l'hôpital, pour vous faire ça, pour saluer eh bien, les frères vitaux, tous les médecins qui nous mettent à la maison, qui permettent que je dis, nous, eh bien, nous sauver en pile du temps. Et nous sommes capables, dimanche, capable. Son méga bagaille à pied, ça veut dire que c'est tout le pays à mobilisation à grand. Et le jour de l'élémentaire, à toute équipe qui campe, la baille ZAM, la baille Motoreuf, la baille 49, normalement, c'est lui-même qui dit lundi, pas qu'à gagner l'école. Et tout le monde constate, depuis l'heure à Génocadé, lui, il est comme ministre intérieur, c'est là qu'on a fait un crime, répression, il a amplifié plus pour la nuit. Donc, nous pas ici. Nous avons pour responsabilité, mais quel que soit point lié, dimanche pour nous lever. Lever camper pour nous défendre les terrains. Lever camper pour nous aller les chambres, les vagabonds qui l'ont payé dans une situation difficile.
lever, camper pour nous dire qu'on coupe monde. Non seulement faire corruption qui mettait pays à un grand goût, mais qui marchait par les armes tout côté, donc pays a gangsterisé. Et je dis, peuple haïtien, c'est pour la première fois que pays a descendu de niveau ça, que nous avons gens connaissent. Nous sommes pays plus sale, nous sommes pays plus pauvre, nous sommes pays qui grand goût, nous sommes pays qui est plus gang. Et je dis, l'on pouvoir camper, c'est avec gang la bonne affaire. L'on pouvoir visiter le gouvernement, visiter le ministre justice, visiter le ministre intérieur, visiter le premier ministre. Deux premiers ministres de facto, tous les derniers ministres de la Caraïbe, de la diminution, uniquement pour assassiner le peuple qui a demandé démission de Jovenel Moïse. Donc, je ne dis plus de bagages. Nous espérons, nous souhaitons que la population ait responsabilité dimanche pour nous sortir dans la rue en foule pour nous montrer à l'international. Quand c'était milliers de monde, on le voit encore, qui a pris la rue pour demander démission de Jovenel Moïse. Et quand c'était force vive qui collait ensemble, qui dit bon alternative, qui propose déjà gagner, eh bien, il y a un bagage qui dit déjà, donc nous allons occuper le monde qui a vu gagner le bagage là-dedans. Pour question simple de l'assemblement, pas grand-chose qui a changé, même si Belé, dans le courrier, nous avons rassemblé là. Nous avons rassemblé dans le temps qu'il y a un café. Nous avons rassemblé toujours dans le temps qu'il y a un café à l'opinion de la 32, base 47 et la Trier. Et pourquoi pas dans le même café à la salle, nous avons rassemblé là et pour nous prendre la réunion. On a fait sacrer les légitimes défenses. On a défendu nous contre le chômage, contre la vie chère, contre l'insécurité, et pour exiger démission jour d'un mandat. Abonnez-vous à ça. Je salue encore une fois toute la presse. Saluer Radio Yemi. Saluer Kafou Marassa. Saluer tout le monde, quel que soit le secteur qu'il y a, qui a mené le peuple là pour venir aller. Alternative à l'éclair. Position institutionnelle là, les clés. Solution pour pays, les clés. Nous voyons tout secteur qui a demandé entente. Il a dit qu'il faut un dialogue avec secteur opposition plurielle. Malgré l'alternative institutionnelle là, nous dit le clé. Nous, président qui a sorti dans la cassation, au premier ministre qui a sorti le secteur opposition pluriel là, alternative là, nous dit où nous faisons dire la foi, faut que nous chita, faut que nous parlions pour joindre ou entendre. Ça veut dire que nous demandons dialogue, nous dit négociation, mobilisation. Nous d'accord. Yo dit répression, mobilisation. Yo dit répression, mobilisation, dialogue, négociation. Nous d'accord. Mais attention, nous ne parlons pas d'accord avec personne. Et c'est pour ça. Et c'est pour ça que nous faisons appel à tout secteur indistinctement. Commencez par Kazekio, Azekio, magistrats, députés de l'opposition, sénateurs. Profiter de nous, si nous sommes dans le peuple là, eh bien mobiliser quel que soit côté, dans quel que soit section, dans quel que soit département, dans quel que soit commune. Mon nom d'Ali Klein. Appelle ça, nous avons beaucoup de commerçants en dans la mobilisation, beaucoup de bourgeois en dans la mobilisation. Nous avons besoin d'élite pays en dans la mobilisation. Nous avons besoin d'artistes qui ont là déjà, mais dimanche, nous tous ensemble. Artistes. Directeur de l'école, pasteur, prêcheur. Tout le monde qui dit faut que je vienne aller, faut répression, ça a fini, faut s'en suspendre, couler. Faut payer avant l'autre système pour administration, pour développement pays, comment c'est fait. Donc nous faisons appel à nous-mêmes. La police.
organisation de base qui dit il y avait nous. Organisation de base qui dit il y avait nous. Secteur entrepreneur qui dit il y avait nous. Pays en général, haïtien, haïtien, quel que soit côté qu'il y a, nous dit oui, il faut que des négociations, mobilisation, nous dit pas l'un, dit la quoi. L'île, l'heure arrivée, dimanche. En pile dans le collègue, en pile, les gens sont dit, Timothée dit, eh bien, il faut. Négociation à folle fini, négociation à folle fini, dit la droite à folle fini. Je pense que solution à l'éclair alternative à l'Albaye. Ils ont demandé modification. Ils ont demandé pour corriger une série de bagages. Nous d'accord. Demain vendredi, samedi. Mais fort négociation à folle fini. Donc pour dimanche matin, pour mobilisation avec quel que soit secteur. Nous connaissons que tout le monde a besoin de l'école. Nous connaissons que faut que nous mangions, faut que nous boire, faut que nous gagnions de l'eau. Et c'est ça qui fait que nous avons dit ça, demain, nous avons commencé avec négociation, mobilisation. Demain, vendredi, samedi, midi, dimanche, eh bien, si le parfait, si ça a été besoin, si change, il a besoin de faire le parfait, eh bien, dimanche, il faut mobilisation, continuer pour une fois pour toutes. Pour tout le monde, tout secteur, quel que soit le côté dans le pays, pour lever, camper, pour Jovenel aller. Nous voyons que presse là, directeur presse, c'est même dans qui est très actif. Mais directeur presse, prenez-nous. Patron média, prenez-nous. Zénith, prenez-nous. Tout le monde, toute la presse qui veut prendre nous, prenez-nous. Mais attention. Jodia, les deux camps dans le pays. Vous qui voulez changement, vous qui voulez besoin de l'aléa, vous qui voulez quitter l'autre camp, c'est vous qui voulez. Donc là, sans ça, il y a un pile menace qui a fait sous Zénith. Il y a un pile menace qui a fait sous Radio Peuple. Il y a un pile menace qui a fait. Il y a un pile répression. Vous voyez que Jodia, Jovenel, pas de bagaille, que nous ne faisons pas ça que nous le faire. Donc, nous disons à mon entendeur, salut, mobilisation, négociation, samedi midi, l'infini, mobilisation, quel que soit, pour nous, il y a un d'appelier, bourgeois, mulat, secteur peuple, église, pasteur, nous tous en général, l'abdonnons dimanche. Parce que, fort, dit la voile, fini, où je venais aller, où système ça, nous dit besoin de changer, où système ça commence à changer. Donc, population, n'attend tout le monde. Parce que si la voie l'a fini samedi, l'a fini, et dimanche, mobilisation, il faut pour nous reprendre, pour nous venir aller. Nous sommes tous presse là, nous sommes international, presse internationale là, nous sommes présents là. Donc, nous, plus près que nous, nous sentons que fait nous, vraiment nous, ça veut dire que jour arrivé, dimanche, nous avons tout le monde, tout le secteur, en APIA, l'immobilisation. Je vous parle, 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 tout militant, tout
dirigeant en général qui prend engagement sacré ça face à la nation pour gommer contre l'injustice sociale, pour gommer contre l'impérialisme, contre ces groupes bourgeois malpropres comme dans le pays qui a supporté 1970. Dans ce sens, vous connaissez que nous sommes victimes. Et je prends la parole là, dans nos tous journalistes, et bien qui victimes dans le mouvement. Spécialement Zenit FM, donc moi-même, je fais partie, plus passé une dizaine d'années. Je dis à nous, dans l'œil cyclone, BHTK, ça va faire nous faire battre. Nous disons, nous ne pouvons pas faire lâche, nous ne pouvons pas faire battre. On a continué pour mener, on a continué mener lutte là jusqu'au bout, on a côté population haïtienne, on a côté masse défavorisée, et on a dit tout, côté que il y a pas d'attaque zénith, dans tout niveau, mais on a dit au bien côté mal calculé. Nous regrettons ça, et bien pour pouvoir ça, côté que on tire tout petit. Nous étions dans la vaste route que nous sommes fait là avec vous. Vous pensez que nous ne pouvons pas. Nous disons clair, la bataille a bel et bien continué. Surtout dans l'initiative là, jeune campé là, nous disons nous ne pouvons pas camper, nous ne pouvons pas faire back. Et les gens qui ont été à négocier, nous regrettons ça pour eux. Sous 100 militants, sous 100, tout puisse passer. 600 jeunes qui périssent en bas de rive à tout faire BHTK. Et nous avons dit, nous ne pouvons pas lâcher. Nous avons continué la bataille là. D'ailleurs, nous sommes victimes sans couler, sans l'autre militant couler. Et bien, nous ne pouvons pas camper les roues. Au contraire, nous venons plus mauvais, nous venons plus motivés. Et barricade, je me dis là, c'est destin, nous, c'est appelé nous. C'est appelé jeunesse là, demain nous. D'ailleurs, c'est destin. Et nous clair, et nous avons dit à tout pouvoir, Marie Patrick, je viens au palais. Nous-mêmes qui l'a, à l'autre dirigeant qui l'a, à tout militant qui a demandé, au contraire, pour être nous plus près que jamais. Chaque fois qu'il y a des 100 militants qui ont coulé, nous ne sommes pas capables de parler à Jovenel. Nous pas capable à dire nos ancêtres là. Même. Et malheur au monde qui pense au grand Jida Abel. Parce que le peuple a fait la carte direct. Et dans le jour, c'est opération, chercher, regardez, tout ministre, comment on a fait pour que nous pouvoir, pas bon pourri, pour nous tenter la paix nomination, nous tenter la place de monde, menti, la bâche chèque, en bas de la ronde, ça y nous pas prendre la dedans. Nous ne pouvons pas prendre l'intimidation tout. Et nous avons dit qu'il n'y avait pas ça. Nous avons dit tout ça qui peut le faire Dieu. Tout ça qui peut le faire Dieu. Je voulais être responsable. Nous allons trouver de nos routes là déjà. Je voulais être responsable à tout gouvernement. Coupions là, restons avec nous. Et nous avons fait l'appel ça. Nous avons lancé l'appel ça. Pas oublier aujourd'hui. Nous connaissons son jour sacré lié. Nous avons massacré Boukman pour nous. Ils ont assassiné les réalisations. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire lâche. Nous campons même gens à Boukman pour nous capables pour l'autre demain. Ou l'autre Haïti. Nous Haïti autrement. Nous avons dit tout militant, tout dirigeant sous tableau, restez ferme. Restez mobilisé. Dimanche pour son l'autre bagaille. Nous l'autre bagaille dans tout coin, dans tout, regardez, toute section communale, tout département, pour rester un grand monde. On a attaqué nos ancêtres là, on a dit, ouais, bah ouais, il n'y a pas de carré. Nous sommes. Merci, merci, je vais jouer. Chers amis, merci à mille fois encore pour saluer l'Esnaïla. Je
présent dans la conférence de presse, nous qui sommes alternatifs de l'ensemble de Haïti, Haïti à Hawaï, ici là. Nous portons toute solidarité. Ou sous T-shirt Balakai, Média. Parce que l'on a regardé la position du pouvoir PHTK, notre pouvoir PHTK, nous sentons qu'il y a une intention. Nous sentons Jovenel Moïse qui a une intention. Jovenel Moïse voulait fermer Radio Zénith, raser Radio Zénith. Nous-mêmes nous disons, pas bon problème qu'à sauter sur Radio Zénith. Le Jovenel Moïse n'a pas cassé qu'à jouer ça. Et ça, pour le peuple, connaît. Là où faire solidarité avec Radio Zénith, c'est parce que la liberté d'expression, c'est la mère de toutes les autres libertés. Liberté, la parole, c'est vraiment toute notre liberté. Si vous ne pas gagner liberté, la parole, vous n'êtes pas capable de dire que vous bataille pour le système cassé. Si vous n'avez pas gagné la liberté de la parole, vous n'avez pas dit que vous avez besoin de travail. Si vous n'avez pas gagné la liberté de la parole, vous n'avez pas dit que vous avez besoin de l'école pour étudier. Si vous n'avez pas gagné la liberté de la parole, vous n'avez pas dit que vous avez besoin d'un environnement décent pour vivre. Vous n'avez pas dit que vous avez besoin de caille pour être si vous n'avez pas gagné la liberté de la parole. Si vous n'avez pas gagné la liberté de la parole, vous n'avez pas dit que vous avez besoin d'un état qui a travaillé dans l'intérêt du peuple. Ça veut dire. Bataille pour respecter la liberté de la parole dans le pays, c'est la première bataille tout citoyen doit mener. Et ça sera non seulement le côté solidarité de nos bailles Radio Zénith, mais nous résidons non plus pas sortir sur nos Radio Zénith, parce que seuls gens pour attaquer Radio Zénith, seuls gens pour tracer Radio Zénith, faut passer sous entrailles, peuple. Seuls gens pour tracer Radio Zénith, faut passer sous entrailles avec la TIV là. Seul gens qui Radio Zénith, faut passer sous entrailles 13 millions de citoyens, citoyennes au pays d'Haïti. Ça veut dire que personne ne pas capable de tracer, pas capable d'attaquer Radio Zénith parce que choisit de camper pour supporter une bataille pour le peuple là, à faire une bataille pour casser. Aujourd'hui, vous voulez parler avec le peuple haïtien. Nous voulons parler créole avec le peuple. Nous voulons parler clair avec le peuple. Bataille, n'a pas rien. Ce n'est pas seulement une bataille pour renverser Jovenel Moïse au pouvoir. Nous ne pouvons pas mener une bataille personnelle. Nous n'avons pas de problème personnel avec Jovenel Moïse. Nous n'avons pas rahi Jovenel Moïse. Nous avons renversé Jovenel Moïse. C'est parce que Jovenel Moïse, c'est une reste avec système pesé sur le peuple africain. Et si nous ne pas retirer Jovenel Moïse au pouvoir, nous ne pas priver craser le système pesé sur le ça. C'est pour un problème personnel que nous gagnons avec Jovenel Moïse. Ça veut dire, bataille qui est plus importante, c'est bataille pour casser le système. C'est bataille pour nous empêcher le système de voler. Bataille pour nous empêcher le système de récupérer la bataille. J'ai oublié ça. Et on erreur, moi, je fais dans vie, pas faire encore. Pas de faire erreur de vie. En 2003-2004, les jeunes militants, dans la manifestation, dans la bataille, Aristide tombé. Les Aristide tombé, il y a des droits dans le secteur privé, société civile qui prend pouvoir. Ils font gouvernement, tout le monde qui est dans le gouvernement, c'est société civile, secteur privé. Qui ça gouvernement ça fait? Le gouvernement qui fait 2 ans, il y a tout le secteur privé, 20 ans franchise. Non, on ne va pas faire bataille. On ne parle pas. Moi, je parle pas. On ne va pas faire une bataille pour renforcer le secteur privé. Le peuple n'a pas de bataille pour quitter l'oligarchie pour contrôler la bataille. On a fait une erreur en 2004, on ne va pas faire encore. On ne va pas bataille pour renverser le président. Et puis après ça, c'est même les secteurs privés, les oligarchies qui prennent le contrôle de la bataille là, qui mettent le peuple là-dedans pour ne pas quitter sa peine. Arrêtez ça, pour ne pas quitter sa peine. Nous ne pouvons pas faire une bataille pour nous renverser Jovenel Moïse et puis pour nous ne pas casser ses pieds. Et pour quitter même les gens, le contrôle de la transition, ils prennent le contrôle de PIA, le système n'a pas crasé. Parce que le système, ce n'est pas Jovenel Moïse seulement, il faut que le peuple là comme ça.
faut citoyen yo comme ça, faut jeune yo comme ça, faut pour dans quartier populaire yo comme ça. C'est pas Jovenel Moïse seulement qui système non. Jovenel Moïse reste avec système non. C'est yon reste avec système non. Système non chargé reste avec le pays. Système non reste avec la partie politique. L'idée reste avec le secteur privé. L'idée reste avec la société civile. Système non chargé reste avec. Si nous comprenons, depuis nous retirons Jovenel Moïse, nous avons une bataille là, nous ne pouvons pas comprendre. Bataille pour craser le système, c'est une bataille qui est importante. Et depuis nous quittons, nous mettons le peuple à deux dans la bataille. Nous prenons le contrôle de la transition. Nous disons, c'est le secteur privé qui prend le contrôle de la transition, c'est la bourgeoisie qui prend le contrôle de la transition. Pour perdre la bataille, tout effort fait l'homme perdu. Nous ne pouvons pas quitter sa fête. N'a pas négocié, n'a pas discuté, n'a pas parlé, n'a pas concerté avec tout le monde. Nous croyons la transition qui va le faire là. Il faut que tout le monde dans la transition. Nous ne pouvons pas mettre le secteur privé à deux. Nous ne pouvons pas mettre la société civile à deux. Nous ne pouvons pas mettre les jeunes à deux dans la transition. Nous ne pouvons pas mettre la diaspora à deux. Mais il ne faut pas quitter le monde, mettre le peuple à deux. Nous ne pouvons pas quitter sa fête. Parce que nous pas dans une bataille personnelle. Nous pas renverser Jovenel Moïse parce que nous avons un problème avec lui. Nous avons renversé Jovenel Moïse parce que lui s'est resté avec. Le système pèse sous qui s'imaille misère dans quatre pays. Jovenel Moïse s'est resté avec. Le système pèse sous qui mettait femmes sous côté, qui mettait jeunes sous côté. Jovenel Moïse s'est resté avec. Le système pèse sous qui mettait quartier populaire sous côté. Le système PC Soussé qui permet à un petit groupe de monde prendre toute richesse pays et puis on a des peuples dans la misère. Mais nous avons des problèmes personnels avec Jovenel Moïse. Et ça veut dire, là nous finirons avec Jovenel Moïse, nous allons batailler pour nous casser ce système. Nous ne pouvons pas quitter même les qui sont eux-mêmes, qui sont chefs du système, de mettre les peuples là-dehors et puis on dit c'est eux-mêmes. Pas contrôler cette situation, on ne peut pas faire ça. Et c'est ça que la transition, ça, c'est une transition fondamentale. Pour le peuple là, très intelligent, pour ne pas quitter personne au monde, mettez-nous dehors. Et pourtant, le monde dit, et tel baladon, on va prendre le bon monde. Nous-mêmes, pour tout le monde, c'est la haine, c'est le mot d'ordre. Faut que société civile là, faut que secteur privé là, faut que parti politique là, faut que tout le monde là donne. Et pourtant, dans le monde, dit pas le monde, ça la donne, on va connaître le grand tout pour. Il faut faire très attention. Parce que, deux ans de transition 2004 là, c'est le ça, secteur privé a pris le pays à net, oligarchie. C'est le ça, on prend tout contrat. C'est le ça, on fait 20 ans franchise. Nous ne pouvons pas quitter ça après encore. Parce que moi-même, personnellement, nous disons que nous avons une alternative. L'âge n'est qu'un chiffre. Toutes les informations, les actualités politiques, culturelles et religieuses sur Tichèze Balakai, abonnez-vous à nous sur Twitter, Facebook, Instagram, YouTube afin de trouver toutes les informations palpitantes au cœur. Tichèze Balakai.